Et ton Airbus, il est pas bien parce que les ailes, elles sont pas aérodynamiques. Et ton Airbus, c'est de la merde parce qu'il y a pas la petite étiquette Made in France. Et ton Airbus, il est pas bien parce qu'il y a pas l'hôtesse de l'air. Et blablabla, bla bla, et il y a pas de porte dans les toilettes. Je vous jure, il y en a, ils m'ont vraiment pris pour un architecte. C'est un truc de malade. Tu veux voir des constructions professionnelles? Regarde les maçons du cœur, mon vieux. Je te jure qu'à côté, Valérie Damido, c'est les Teletubbies. Moi, je le trouve stylé, mon Airbus. Il est franchement bien. Hein, tu veux pas non plus que je dessine le copilote qui va avec, non? Il y en a, ils sont malades, les gars, je vous jure. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager pour toujours plus de défis what the fuck. Et ça fait bien plaisir, c'est bien cool. Bref, aujourd'hui on m'a lancé un nouveau défi. On m'a proposé de faire une tondeuse à gazon. Si, je vous jure. Donc, et ben aujourd'hui on va s'attaquer à faire une tondeuse à gazon. Ça va être un truc de malade, comme d'hab quoi. Allez, c'est parti. Là, on va se mettre là pour construire la tondeuse à gazon. Avec mon Airbus en fond, ça va être magnifique. Une tondeuse à gazon, je vous jure. Maintenant, il n'y a plus aucun défi qui m'étonne. Plus ça va, moins ça va. Allez, c'est parti. On va faire la base de la tondeuse à gazon. Qu'est-ce que je l'ai passé la tondeuse à gazon? Ah bah, je peux vous dire que si je la rate avec ça, j'ai pas le droit de la rater là. T'inquiète pas, je sais exactement à quoi ça ressemble une tondeuse à gazon, mon vieux. Ça va être un truc de malade. Voilà. Alors, pour faire une tondeuse à gazon, faut faire un machin comme ça. Voilà, toujours la symétrie. Toujours la symétrie. Voilà, comme ça. Alors, c'est pas magnifique, hein? Là, ce sera bien sûr l'arrivée d'essence. Bah ouais, quand même, faut bien une arrivée d'essence. On va faire le carburateur, on va le mettre juste ici. Ça commence à devenir un peu trop technique là, non? On va faire bien sûr des roues, sinon c'est pas une tondeuse. On est d'accord. Ah, par contre, moi ma tondeuse à gazon, elle avait pas des aussi grosses roues que ça, hein. Mais bon, ça fera l'affaire. Y'a un truc qui va pas me plaire. Ah non, ça va pas du tout. Bah oui, il faut faire le truc où va y avoir les hélices, bien entendu. Sinon, ça marchera pas, ça je peux vous le dire. Voilà, vous allez voir, on va faire une hélice. Ça va être un truc de malade. Déjà, pour faire une hélice, il faut faire ça. Voilà, un machin comme ça. Voilà, là ça va être pas mal. Là ça va être bien. Tiens. Là avec ça mon vieux, tu vas pouvoir tondre des hectares et des hectares de champs. Je te jure, ça va être un truc de malade. Ce que je vais faire, tiens, c'est que je vais mettre un ordinateur. Ça va être bien. Par contre, c'est une tondeuse à gazon super high-tech. Bah ouais. Eh ouais les gars, on est en 2016. Maintenant les tondeuses à gazon, c'est tactile. Ah bah non. Non, finalement, on n'a pas besoin d'ordinateur. C'est carrément, c'est un moteur qu'il faut. On va le mettre là. Hein? C'est pas magnifique comme ça? Alors, si je démarre, ça donne quoi? Ah bah mon vieux. Alors, hein? Elle est pas belle celle-là? Qui c'est qui a dit que je savais pas faire une tondeuse à gazon là? Elle est magnifique, non? Bon, maintenant que ça tourne. Oh putain gars. Ce délire. Ça va aller quand je vais mettre les roues, ça va aller, vous allez voir. On va éteindre ça. Doucement, calme. Calme, calme. Voilà, c'est bien. Ça va aller quand je vais mettre les roues, vous allez voir, ça va être un truc de malade. Ah, je te dis, moi j'ai pas connu les tracteurs tondeuses. Hein. Non, 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 non. Moi c'est les tondeuses à l'ancienne, mon vieux. C'est la tondeuse, tu sais, tu prends la bonne vieille ficelle et bram. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, y a rien de tel. Allez, on va y mettre 4 roues. C'est délire. C'est même plus une tondeuse à gazon, c'est un camion de bordel. On va faire le manche. Tu vas voir. Je délire par contre, t'es comment qu'elle est grande ma tondeuse mon vieux. Alors, hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle est pas magnifique ma tondeuse à gazon? Tiens, et puis moi j'avais tout le temps. Enfin j'avais tout le temps. Non, je l'ai pas eu tout le temps, mais maintenant il y a. Vous savez, il y a des petites poignées sur les tondeuses à gazon. Bon, seuls ceux qui ont l'habitude de passer la tondeuse comprendront ce que je veux dire. Vous savez les trucs là, à traction là. Quand on appuie dessus et les roues ils avancent toutes seules. Avec ces trucs là, je vous jure, la première fois que j'ai eu une tondeuse à gazon comme ça, j'ai cru que j'allais m'envoler avec la tondeuse, mon vieux. J'ai fait l'avion avec. Non, non, parce que moi j'avais l'habitude de tout le temps pousser le bousin, tu vois ce que je veux dire? Hein? Elle est pas magnifique celle-là? Alors, putain, par contre, je vais en chier, moi, pour pousser ma tondeuse à gazon. Bah, t'inquiète pas, je vais faire un truc de malade, tu vois. T'inquiète pas. On va relier tout ça, comme ça. Voilà, ça, ça va être bien cool. Ça, ça roule dans le bon sens. Ça, ça roule pas dans le bon sens, tu vois. Voilà, ça, c'est cool. Putain, ça va être chaud, moi. Comment que je vais conduire ma tondeuse à gazon? Je sais, j'ai une idée. Je vais me faire une cabine de pilotage pour tondeuse à gazon, juste ici. Ça va être un truc de malade, tu vois. Là! Hein? Alors, et pas belle celle-là? Je la conduirai de là-haut, ma tondeuse, mon vieux. Eh bah ouais, c'est la tondeuse du futur, mon vieux. C'est comme ça. Alors, on va relier la direction. Ça va être un truc de malade. Voilà, ça c'est pas mal. Ça, c'est bon. On va les faire tourner directement dans le bon sens. Les roues, on va les relier au moteur. Bah ouais, j'avais oublié d'installer la direction. C'est plutôt con, quoi, pour tourner. Yes, impeccable. Et le moteur, on va le relier, bien sûr, ici. T'entends le bousin un peu? Ce délire mon vieux, ce bordel. Là, allez, on va aller essayer ça un petit peu là. Voir si ça se conduit bien comme une tondeuse. Allez mon vieux, c'est parti. Ce délire. Bah, à quoi que tu me diras. Et ça marche, ça va. Ça marche plutôt pas mal. Bon ok, on a juste un léger souci. Hop là, regarde, petite marche arrière, tranquille. Allez mon vieux, regarde. Hein? Qui c'est qui a dit que je savais pas tondre la pelouse là? Qui c'est qui a dit que je savais pas tondre la pelouse là? Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ça me plaît pas. Je vais arranger ça parce que ça me plaît pas. Non. Il manque un peu de stabilité à notre tondeuse à gazon. Alors bon, plus ça va, moins ça ressemble à une tondeuse à gazon. Mais on n'est plus à ça près, tu me diras. On va faire, vous savez, comme les vélos des petits. On va mettre des roulettes à l'arrière pour stabiliser. Bah ouais, c'est comme ça. Voilà, je vais mettre deux belles roulettes à l'arrière. Tu vas voir, ça va être cool. Les roulettes, j'ai pas besoin de les tracter au moteur ou quoi que ce soit. Je mets juste des roulettes. Voilà, c'est histoire de dire que j'ai mis des roulettes. Oh putain, la tondeuse du futur, mon vieux, c'est un truc de malade. C'est la tondeuse du futur, c'est un truc de malade. Il y en avait un la dernière fois pendant que j'étais en live, il m'a dit putain, c'est la moto du bled. Bah là, mon vieux, c'est la tondeuse du bled. C'est encore pire. Voilà, fais voir si c'est un peu plus stable. Ah bah oui. Hein? C'est déjà un peu plus stable, hein? Un petit peu quand même, hein? Voilà, avec ça, on peut tondre la pelouse, bien comme il faut. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Merde. C'est délire. Attends. Il y a un truc qui va pas. Elle me plaît pas cette tondeuse. Ça manque de patates tout ça, mon vieux. Tiens, voilà. Hein? Là, ce sera pas mal. Alors? Eh ben oui. Là, ça va mieux marcher, mon vieux. Hein? Alors, est-ce que ça marche mieux comme ça? Alors, attends, je les ai mis sur quel bouton? Tiens. Je vais aller voir mon Airbus pour voir. Je vais aller tondre la pelouse à côté de mon Airbus. Ah, bah voilà, ça marche bien. Alors, si j'appuie sur 1, ça devrait avancer un peu plus vite. C'est délire, mon vieux. Putain. Ah, j'ai complètement retourné la tondeuse. Ah bah je peux te dire que j'aurais eu des réacteurs comme ça à l'époque sur ma tondeuse à gazon. Je t'aurais tondu 3 hectares en 2 minutes. Ça aurait été un truc de malade. Alors mon vieux, regardez ça. La tondeuse du futur, l'Airbus du futur. Ils font pas une fine équipe tous les deux? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que c'est beau. C'est magnifique. Hein? Par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Juste un tout petit truc qui me plaît pas. Ça manque encore un petit peu de patate, légèrement. On va rajouter 2-3 réacteurs vite fait à l'arrière. Voilà! Impeccable, mon vieux. Là, je pense que ça va bourriner un petit peu, tu vois. Là, il y a moyen que je tombe de 3 hectares en 3 secondes avec ça, mon vieux. Ça va être un truc de malade. Ah bah celle-là, mon vieux, tu la trouveras pas chez le roi Merlin. C'est de l'exclu gelote, mon vieux. C'est la tondeuse du futur. Là, allez, vas-y, vers l'infini et l'au-delà, mon vieux. Ce délire. Hein? Alors, attends, je vais allumer les autres acteurs aussi. Hein? Qui c'est qui a dit que je savais pas faire une tondeuse à gazon? Ce délire. Merde, elle est coincée dans l'arbre, mon vieux. Ah, puis c'est pareil. Et il y a mon Airbus, là, il me plaît pas aussi, là. Hein? On m'a dit, oui, ton Airbus, la dernière fois, il décolle pas et tout. Comment ça, il décolle pas, mon Airbus? Ah ouais. Mon Airbus, il décolle pas. T'es sûr? Hein? Alors, comme ça, mon Airbus, il va pas décoller, mon vieux. Ah ouais. Qui c'est qui a dit ça? Tiens, est-ce qu'il y a moyen que je monte directement comme ça, mon vieux? Ah bah oui, bien sûr. Hein, c'est magnifique. Il y a pas assez de réacteurs. Ma tondeuse, mon vieux. C'est délire. Ok. Attends, j'ai allumé les réacteurs à l'arrière. Les réacteurs des ailes, c'est 2. Là. Hein? Alors, qui c'est qui a dit qu'il avançait pas, mon Airbus? Qui c'est qui a dit ça? Putain, par contre, il y a un souci, là. Mayday, il y a un souci. Hein? Alors ça, c'est pareil, hein. Dans les commentaires, vous êtes jamais d'accord, les gars. Jamais. Il y en a qui disent noir, il y en a qui disent blanc, mon vieux. Voilà, regardez, les réacteurs de droite, ils marchent, mais ceux de gauche, ils marchent pas. Alors, il y en a qui disent que c'est normal, c'est parce que je les ai reliés tous au même interrupteur, et du coup, les autres ne marchent pas. Et il y en a qui disent, mais si, ça marche, c'est des bugs graphiques, ils marchent tous en même temps. Si vous êtes pas d'accord, ça va pas m'aider. En tout cas, moi, juste, je te dis un truc, c'est que là, je viens de coincer mon Airbus dans un arbre. Et ça, c'est bien la merde, je vais le décoincer. Vas-y, mon Airbus, envole-toi. Envole-toi, t'inquiète. Hein? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, effectivement, il y a que les réacteurs de l'autre aile qui marchent, hein. Certes, c'est peut-être un bug graphique, mais en tout cas, ça m'a fait décoller que d'un côté. Je dis ça comme ça. Je m'y connais pas plus que ça. Bref, une fois de plus. Eh ben, j'ai retourné l'Airbus. C'est bien cool, ça fait bien plaisir. Oh, le délire. Eh ben, tiens, regarde bon. Elle est où ma tondeuse à gazon? Ah, j'ai même perdu la tondeuse, mon dieu. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma tondeuse. Ouais, elle est forcément quelque part par là, non? Elle est pas loin. Bon, elle est peut-être pas loin. Elle est peut-être bien là-bas, là. Hein? C'est pas elle là-bas, là? Je crois bien, hein? Je crois bien que c'est elle là-bas, je la vois. Ouais. Regardez ça. C'est ma tondeuse. La tondeuse du futur. Bon, et bien voilà, elle est plutôt pas mal, ma tondeuse à gazon. Bon, et bien si vous avez apprécié ce défi complètement what the fuck, je vous l'avoue, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Pourquoi pas la partager pour me soutenir? Et surtout, n'hésitez pas à me lancer encore plus de défis dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye! Elle est quand même bien, ma tondeuse du bled, là.